Oui, je crois qu'on te voit. On va bientôt être live. Hello, ça va? Ben oui, tu vois, j'ai même une belle agglomération derrière, tu vois. Très bien. Et ben, moi aussi, j'ai le décor qui va bien avec la Tout fonction. Bon, fait. on va commencer par se présenter. Donc là en direct dans une des stages, un des quatre écrans de Startup Safari 2021 où les gens peuvent voler tout autour, nous poser des questions sur Slido. Et donc j'ai noté le code. Le code c'est 700 497 700 497 et on nous les fera. C'est la manière pour nous d'interagir. Les participants peuvent aussi entre eux et donc discuter entre eux. Et pendant une petite heure, on va essayer de parler de la digitalisation des collectivités locales, des communes, communautés de communes, départements, régions, à l'aune notamment de la crise qui nous concerne tous et puis aussi du développement naturel d'un certain nombre de technologies et de startups qui s'en occupent. Donc moi, je vais me présenter d'abord. Donc Vincent Chauvet, je suis maire de la ville d'Autun en Saône-et-Loire, en Bourgogne, et cofondateur avec André Svoboda de Startup Safari Paris. Vous êtes en train de suivre. C'est la quatrième édition après une année où on a dû annuler et donc cette année où on a décidé de le faire dans un monde entièrement virtuel. J'ai failli être en retard parce que d'ailleurs j'étais en train de me balader. Si vous faites F, vous pouvez voler. C'est assez sympathique. Et j'étais près de la Montgolfière tout en haut de la Tour Eiffel. Et j'y retournerai avec plaisir tout à l'heure. Mais là, on est de l'autre côté de l'écran pour cette présentation. Voilà, je te laisse te présenter. Et puis ensuite, on va pouvoir échanger librement et que les participants n'hésitent pas à nous envoyer des questions. Merci Vincent, bonjour à tous. Alors je m'appelle Paul-Antoine de Carville, j'ai deux fonctions, deux vies, on va dire. La première, assez ancienne maintenant, un peu comme Vincent, c'est d'être élu dans le nord de la Bourgogne. Je suis adjoint au maire dans une commune de 25 000 habitants. Et parallèlement, j'ai monté avec un associé il y a maintenant 9 ou 10 mois déjà, une start-up qui s'appelle Le Parapheur, qui a pour objectif de digitaliser la façon dont les collectivités gèrent leur courrier. Et quand je dis courrier, en fait, déjà, je me trompe parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas que de courrier, on parle d'appels téléphoniques, on parle de mail, on parle de courrier papier, on parle de gens qui vont voir le maire dans la rue, qui disent, Monsieur le maire, j'aimerais vous parler de tel sujet. Donc voilà, on a essayé de beaucoup plus penser en logique CRM que de penser en logique juste de process courrier. Voilà ce qu'on fait, une quinzaine de clients aujourd'hui, des villes de 2 000 à 15 000 habitants, avec des usagers qui sont très loin au départ du web, et on essaie de les amener vers le web avec beaucoup de simplicité et un design qui est, je pense, assez intuitif et ergonomique. Voilà ce qu'on Parfait, fait. on parlera de ta solution justement en disant aussi que tu es actuellement incubé dans l'incubateur de Sciences Po Paris. Comment Ouais, tout ça à se fait. passe exactement? Et on parlera justement de ces relations entre le monde des affaires publiques, de la politique et de la tech, qui n'est pas forcément l'écosystème, on va dire, le plus digitalisé. Dis-nous un peu, Sciences Po, c'est pas forcément au départ une école de code ou une école de commerce. Comment ça se passe, l'entrepreneuriat et Ben écoute, l'incubateur à Sciences Po? c'est une bonne question parce que effectivement, Sciences Po a été très loin des politiques entrepreneuriales pendant assez longtemps, même s'il y avait beaucoup d'étudiants de Sciences Po qui après montaient des boîtes, etc. Et Sciences Po s'est dit, en ayant déjà un incubateur pour les jeunes étudiants, bah finalement, est-ce qu'on peut pas imaginer accompagner des projets de gens qui ont 4, 5 ans d'expérience minimum dans d'autres boîtes et puis les accompagner? Et je pense que Sciences Po s'est dit aussi que le web, le numérique pouvait permettre aussi aux collectivités, moi, aux organismes aussi parapublics, parce que là, on parle de collectivités, mais il y a tout un enjeu aussi sur organismes d'État. Emmanuel Macron va annoncer jeudi, je crois, la suppression de l'ENA. Donc, on voit bien qu'il y a une envie aussi de sortir de cette espèce de spirale un petit peu technocratique. Et en même temps, avec très peu de solutions qui existent, souvent qui sont financées par l'État, qui sont parfois codées par l'État, et donc peut-être beaucoup plus de travailler avec cette idée que on peut confier à des startups le soin de développer des applications métiers, pour après éventuellement du coup bah, les laisser vivre leur vie et financer par exemple le démarrage d'activités. Donc nous c'est pas notre cas puisqu'on n'a pas d'argent spécialement de l'État, mais parfois l'État met de l'argent dans des structures et je pense que Sciences Po s'inscrit beaucoup là-dedans pour notamment France Service, tous ces dispositifs nouveaux qui existent, bah, finalement pousser un petit peu des petites solutions
en mettant peut-être un peu d'argent au départ pour que les gens puissent commencer à coder, etc. Et derrière, en sachant qu'il y a peu de développeurs web qui s'intéressent beaucoup pour l'instant au sujet du public. C'est exactement ça. On a entendu parler, tu vas peut-être nous dire ce que tu en penses, des startups d'État, effectivement, qui commençaient à se développer, avec l'État se disant que s'il voulait avoir des développeurs, il fallait aussi qu'ils puissent avoir des structures où on paye des développeurs un peu plus cher que des fonctionnaires, qu'on travaille de manière un peu plus agile que l'administration. C'est des choses qui ont commencé à se mettre en place. On a vu notamment l'application Passe Culture, un certain nombre de services, mais on ne parle pas tellement d'applications en parallèle des startups d'État, on ne parle pas tellement de startups des collectivités ou de startups des territoires ou de startups de public local. Est-ce que c'est Oui, une ouais. difficulté de s'adresser à un marché aussi décentralisé et puis de finalement d'avoir comme interlocuteur l'administration et pas seulement l'État central, mais 36 000 maires et 37 000 collectivités. Alors, une fois de plus, c'est intéressant parce qu'il y a 36 000 communes en France, et sur les 36 000 communes, vous avez 34 000 communes qui font moins de globalement 20 000 habitants. Ce qui veut dire que l'immense majorité des communes en France sont organisées, enfin administrées par des maires comme Vincent, qui sont des maires à la tête d'un exécutif avec finalement entre 50 et 200 fonctionnaires. Ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est en même temps une petite PME. Et donc il y a des enjeux de productivité qui sont assez forts. Et ces gens-là n'ont pas forcément accès localement à des développeurs informatiques, parce que le web, c'est quand même le développement informatique, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Former des développeurs, ça prend du temps. Et donc rares sont les collectivités qui peuvent en interne développer. Il y a une collectivité qui a été très précurseur là-dedans, c'est Châlons-en-Champagne. Il me semble que c'était Benoît Apparu qui était le maire de Châlons. Là, tu me confirmeras, Vincent, si c'est bien ça. Et il avait décidé d'embaucher des développeurs informatiques qui avaient codé un logiciel de courrier, de suivi des demandes internes, en embauchant 3 à 4 devs. Mais c'est extrêmement rare de faire ça, parce que la plupart du temps, il faut former des personnes, il faut bien les payer, comme tu l'as dit, et malheureusement, difficile de payer dans nos collectivités des gens très très bien et d'être, on va dire, comparativement privés attractifs. Et donc, ce que vont faire souvent les sociétés, dans ce cas-là, c'est qu'elles vont se tourner vers des prestataires extérieurs qui vont travailler pour elles. Et il y a de plus en plus de startups qui travaillent sur le parking connecté, qui travaillent sur les sujets éventuellement, bon, le nôtre, c'est le courrier, mais sur tout ce qui va être site commerce, tout ce qui va être éventuellement gestion de la paie, sujet RH, ça se multiplie et ça va venir progressivement remplacer un peu les gros mastodontes qui sont ces vieux logiciels éditeurs qui sont pas du tout sur du numérique pur, qui sont sur vraiment plus des sujets de logiciels métiers installés sur les postes. Alors qu'on voit bien lors du confinement que l'enjeu dans nos collectivités moyennes ou petites, bah, c'est de faire en sorte que les gens puissent travailler depuis chez eux, et ils peuvent pas aujourd'hui le faire. Donc il y a tout un marché énorme, hein, puisque 36 000 communes, imaginez, je sais pas quel est le budget d'investissement d'une commune comme Autun, mais on sait bien que tous les ans, bah, Autun va investir, j'imagine, pour améliorer ses moyens de production, sa modernisation de l'administration. Donc c'est pour les startups un marché énorme à conquérir. Et effectivement, tu as parlé de budget d'investissement, et là, c'est aussi une opportunité très récente de développement pour un certain nombre de startups sur le monde des collectivités locales. Et s'il y a un certain nombre de gens, de jeunes qui nous regardent et qui se disent oui, j'ai envie de faire bouger ma ville, j'ai envie de travailler vraiment proche du terrain et en même temps dans le numérique, bien, il y a eu cette possibilité justement maintenant pour les mairies, pour les collectivités. D'utiliser leur budget d'investissement, c'est-à-dire le budget qu'ils peuvent mobiliser pour investir et pour lequel ils peuvent emprunter, et bien d'utiliser ce budget d'investissement pour un certain nombre de logiciels ou de cloud, de solutions cloud qui avant étaient en fonctionnement et on sait que le fonctionnement pour une collectivité, c'est ce qu'on doit serrer, c'est ce qui est financé par les impôts, c'est ce qui est dans la règle d'or des collectivités. À contenir et avec un seuil à pas dépasser. Donc effectivement, maintenant, les règles comptables se sont adoptées un peu, adaptées, pardon, à la logique de la digitalisation, alors qu'à un moment, c'était plutôt à désinciter à Exactement. aller vers des solutions tech. Petite anecdote personnelle. Moi, avant de me lancer dans l'aventure Startup Safari avec Andrei, j'ai aussi essayé de profiter d'une innovation législative dont on pourra parler, qui est la formation des élus. Là, je crois qu'au 1er avril, le système
actuelle a été arrêtée parce que ça dysfonctionnait complètement. On l'avait à peu près prévu à l'époque, mais finalement, il y a 5-6 ans, les élus locaux, comme beaucoup d'autres types de salariés ou de fonctionnaires, même si les élus sont ni fonctionnaires ni salariés, ont eu le droit à un compte personnel de formation. Avec une réglementation à part, des agréments distincts. Et on avait voulu, avec deux associés et puis une boîte de e-learning qui d'ailleurs s'est développée et a continué à proposer ses services, notamment pour la SNCF, mais à proposer des formations en ligne pour les élus locaux, avec la possibilité de débiter son compte personnel de formation. Ça a été très compliqué. Le système dysfonctionne encore, hein, puisque au 1er avril, l'État a décidé une énième réforme et d'arrêter ce qui se faisait pour essayer de réguler un peu le secteur. Et c'est pas forcément simple. Mais au-delà de ça, ce qui a été pour nous en fait assez compliqué, c'est de se rendre compte que finalement les élus, alors il faut quand même différencier les élus de leurs administrations, mais les élus qui sont en moyenne, tu as dit les chiffres, hein, 34 000 communes ou 32 000 communes de moins de 20 000 habitants, je crois qu'il y en a 34 000 de moins de 20 000 et 32 000 de moins de 2 000. Tout à fait. J'ai pas été de précis, mais effectivement, tu as raison. Voilà, on est vraiment, on voit que il y a peu de communes, il y a peu de communes qui ont une vraie administration, et il y a beaucoup en fait de villages, hein, sur les 36 000 communes. Donc c'est peut-être les collectivités territoriales, le marché le plus dispersé qui existe, puisque par définition il y a un maire dans chaque commune, dans chaque village, et en même temps avec certains endroits où aujourd'hui on est encore en zone blanche internet ou zone blanche fibre, même si ça s'accélère assez rapidement, et puis avec une culture. Alors les élus, là aussi les statistiques sont assez parlantes, hein. Ils s'appellent pas tous Vincent, ils sont pas tous à Paul Antoine, ils sont pas tous à ils sont pas tous à Sens ou à Autun ou de moins de 40 ans, c'est même plutôt l'inverse. C'est plutôt majoritairement des retraités, parfois des agriculteurs, et souvent de plus de 60 ans. Et on a là une petite question générationnelle sur les élus. Alors, je voudrais ton sentiment, et puis voir aussi comment les administrations locales. Il y a quand même un certain nombre de communes qui ont entre 20 et 100 agents. On commence déjà à avoir une hiérarchie, à avoir des process, à avoir des coûts de structure, à avoir des ordres de mission, etc. On a peut-être notamment un renouvellement plus rapide avec des fonctionnaires qui chaque année partent en retraite, d'autres qui arrivent. Voilà, mais le décideur, c'est toujours l'élu. Alors comment tu vois ça? Est-ce que le conflit générationnel va se résorber? Depuis un an, il y a quand même des nouveaux élus. Est-ce qu'ils sont un peu plus technophiles que leurs aînés? Et au niveau de l'administration, est-ce que on arrive peut-être à bouger l'administration territoriale plus vite que l'administration de l'État? Alors nous, c'est vraiment une question d'actualité, puisqu'on s'est rendu compte, en fait, en faisant nos formations, on a formé à peu près 300 personnes sur l'outil depuis qu'on existe, que vous avez des gens qui sont extrêmement à l'aise avec les outils web, les moins de 30 ans, pour eux c'est intuitif. Il n'y a d'ailleurs pas besoin de formation, parce que quand ils vont sur Facebook, LinkedIn, ils ne sont pas formés, donc en fait ils arrivent sur des outils web, ils n'ont pas besoin d'être formés. Et à l'inverse, il y a une grande réticence d'une population qui n'est pas forcément la plus âgée, même si globalement, c'est vrai que c'est plutôt eux qui sont un peu plus loin du numérique, mais aussi d'agents qui sont pas forcément en contact avec les logiciels métiers. Je pense à des agents d'accueil, je pense à des gens qui travaillent dans des bibliothèques, où en fait, ils n'ont pas vocation à aller régulièrement sur des outils, mais la modernisation de nos administrations fait que maintenant, ils n'ont plus trop le choix et ils doivent y aller. Et donc, on sent qu'il y a une grande réticence à peut-être basculer sur ces modes-là. Et donc, quand il y a une réticence, on a peur. Quand on a peur, on n'a pas envie de faire d'efforts. Et du coup, on se retrouve dans des situations où il y a parfois un peu de mauvais esprit, où il y a parfois le sentiment que l'application n'est pas assez bonne pour eux, alors qu'ils n'utilisent aucune application qui peut être aussi ergonomique que ça.
Donc, il y a un fossé générationnel, c'est évident, mais il y a aussi un fossé en termes de métier entre ceux qui sont secrétaires dans la bureautique et qui passent leur vie sur les logiciels et qui veulent de la simplification, et puis les autres qui, en fait, sont déjà assez loin du numérique. Donc ça, c'est vraiment un sujet assez clair. De l'autre côté, comme tu dis, il y a beaucoup de maires qui sont des maires ruraux, mais en même temps, tous ces maires ruraux, ils vont sur leurs emails, ils vont sur impots.gouv pour payer leurs impôts, ils vont faire des vidéos de chat avec leurs petits-enfants, leurs enfants. Donc, en fait, ils sont déjà un pied dans le numérique et ça leur pose pas trop de problèmes aujourd'hui d'aller sur ces outils-là à titre personnel. Donc, la question, c'est pas tant de savoir s'ils peuvent ou pas. Ils peuvent. Franchement, aller sur une vidéoconférence, c'est pas simple. Hein. Parfois, il faut télécharger, il faut se connecter, il faut mettre un mot de passe, etc. Donc, ils savent le faire. Maintenant, la question, c'est leur faire prendre conscience que leur administration peut basculer, et même quand ils sont 4, 5 ou 6. Moi, je suis assez convaincu que, alors aujourd'hui, c'est une cible qu'on n'a pas trop attaquée parce que c'est difficile d'attaquer une commune de 1000 habitants. Comme tu dis, faut pas oublier, dans une commune de 1000 habitants, il y a peut-être 5 agents, dont des agents qui font la poste, qui font l'accueil téléphonique, qui font le centre aéré au midi 2. Enfin, c'est des gens qui sont très polyvalents. Mais si ces gens-là, on les bascule vers ça, on va avoir des outils extrêmement intéressants pour qu'ils puissent justement mieux faire leur métier et peut-être se concentrer sur des choses qu'ils n'ont pas le temps de faire aujourd'hui. Donc, moi, je suis convaincu que même une commune de 4, 5 salariés, avec un maire même un peu retraité, elle peut bénéficier de ces solutions parce que du coup, elle gagnera du temps à plus faire ce qu'elle fait avant. Vous savez, dans les communes, vous avez toujours, alors je ne sais pas si à Autun, on le fait encore, peut-être qu'on ne le fait plus trop, mais on mettait en affichage physique les choses en disant ce jour-ci, attention, voilà. Je crois qu'on avait discuté avec le maire récemment où il y avait encore un peu ça, mais dans toutes les collectivités de moins de 20 ou 30 000 habitants, il y a encore un peu ça. Et en fait, au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a par exemple les alertes SMS. Les alertes SMS, c'est hyper puissant pour en quelques minutes communiquer beaucoup plus rapidement qu'avant avec la population. Et en fait, du coup, ce travail qui était fait par la personne avant de devoir imprimer, mettre l'information sur un tableau, bah, au fur et à mesure, elle peut disparaître parce que les gens, en fait, si sur un territoire, on a 70% des gens qui sont couverts avec une alerte SMS, on n'a pas vraiment besoin, en fait, de le mettre par papier. Donc, progressivement, ça va se faire. Moi, je pense que c'est inévitable. Ça va prendre un peu de temps. Mais le confinement, tu le disais, Vincent, accélère énormément les choses. Et je pense que on est reparti encore pour 6 mois de visioconférence, etc. Et donc, ça va se poursuivre au fur et à mesure. Il y a un élément qui est intéressant, c'est le changement de perspective de la visioconférence par les collaborateurs d'élus. Avant, on faisait tout par physique. Maintenant, les maires peuvent faire des visioconférences avec les collaborateurs quand ils sont en déplacement. Les collaborateurs vont plus forcément à la préfecture. Alors, je crois que chez vous, c'est Chalon-sur-Saône, dans votre coin, mais parfois, on va plutôt faire des visios plutôt que de faire 1h30 de route aller-retour. Macon, ouais. On va plutôt faire des visios parce qu'en fait, c'est plus rapide. Quand un investisseur immobilier veut venir sur une commune, avant, c'était systématiquement, il se déplace, il déjeune sur place, il va voir le maire physiquement 2 heures. Maintenant, la visioconférence permet aussi de faire un premier tri et peut-être d'aller plus vite qu'avant. Donc, il y a tout ce travail aussi qui s'accélère dans les collectivités. Et je pense qu'on a tous à y gagner, en tout cas, à aller vite, quoi, là-dessus. Après, et je termine là-dessus, c'est difficile de démarcher ces communes parce que ils sont loin de ça. Et pour la petite anecdote, ça te fera rire, Vincent, mais nous, on a commencé pour maintenant à démarcher les communes, à ne plus envoyer d'emails, mais à envoyer des papiers avec des faux ou courriers, comme si on était un administré, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est encore là où les gens mettent le plus d'attention, par erreur, hein, parce que je pense qu'un email est aussi important. Et donc, on envoie des courriers papiers au maire en disant, bah voilà, monsieur le maire, je suis pas un de vos administrés, mais j'aurais pu être un de vos administrés. Est-ce que vous m'auriez répondu? Dans tous les cas, on vous conseille d'utiliser une solution de courrier. Et donc, d'ailleurs, on les invite à aller sur notre site. Enfin, donc, je pense que les traditions sont encore bien ancrées. Il y a encore bien de papiers que les gens aiment bien envoyer. Et puis, les assistants en mairie aiment bien aussi ces papiers-là. Mais la transformation est en route et c'est normal que ça bouge. Intéressant, ce moyen de démarcher, de faire du prospect en utilisant l'ancienne techno qu'on essaie de disrupter. C'est pas mal, c'est un peu comme si Doctolib essayait de prendre des rendez-vous à l'ancienne en appelant les cabinets virtuels. Ils ont fait à l'époque pour démarcher, ils ont fait ça. Hein. C'est-à-dire qu'au début, Doctolib, pour échanger avec des commerciaux, ils allaient prendre des rendez-vous avec les médecins dans la salle d'attente. Ils entraient chez le médecin. Bonjour monsieur, oui, alors en fait, je suis pas malade, mais je suis venu vous présenter un logiciel. En fait, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Donc, il faut passer par le canal principal. Voilà. Absolument. Mais en même temps, on a vu pendant le confinement aussi un retour en grâce de moyens de communication assez traditionnels, le téléphone. Beaucoup de mairies ont mis en place des numéros verts, des numéros d'appel, des 06 24 heures sur 24, des numéros d'astreinte. Et puis le courrier, hein,
beaucoup de mairies ont écrit à tous leurs administrés, notamment pour donner des listes de numéros de téléphone en disant bah, « vous avez vos lunettes cassées, c'est ça, vous êtes en panne de fuel, c'est ça, vous avez besoin de courses alimentaires, de vous faire livrer, c'est ce numéro, etc. » Et on se rend compte que le numérique ne remplace pas forcément complètement les autres moyens de communication, que le papier est toujours très fort, y compris dans les campagnes électorales. Hein. C'est pour ça que les diverses tentatives de supprimer les envois papier de propagande électorale, de circulaires, etc., n'ont pas encore donné lieu à des réalisations, parce que je pense que tous les élus et tous les candidats sont quand même intéressés pour qu'on continue d'envoyer en papier aux gens et qu'ils puissent recevoir et lire physiquement un support de campagne. Et puis nous, tu le disais sur l'affichage, nous on est passé. Alors je vais faire une petite pub, mais en tout cas c'est dans notre coopérative, c'était la meilleure solution. Alors une société, je crois qu'elle est de La Rochelle ou de La Roche-sur-Yon, qui s'appelle Yellow. Et qui en fait dématérialise l'affichage réglementaire. Aujourd'hui, quand on marie des gens, quand on fait des enquêtes publiques, quand on prend des arrêtés, il y a une obligation d'affichage. Et jusqu'à récemment, il fallait qu'il y ait 15 jours d'affichage papier sur le fronton de la mairie. Nous, on a calculé ce que ça nous coûtait en papier, mais surtout ce que ça nous coûtait de notre agent qui allait ouvrir, qui mettait les papiers, qui les tamponnait, qui les refermait, qui allait les chercher. C'était quand même très, très long, d'autant que le fronton de la mairie n'est pas exactement au même niveau que le troisième étage où sont les services administratifs. Et donc, nous, on est passé à une bande tactile interactive à l'entrée de la mairie. Ça marche très bien. On y met des infos, notamment en ce moment sur le confinement. Et puis, on peut aller voir tous les comptes rendus de conseils municipaux et surtout l'affichage réglementaire. Il n'y a pas une utilisation délirante, de même qu'il y avait quand même relativement peu de personnes qui allaient espionner et voir les banques qui étaient publiées pour les mariages ou les enquêtes publiques. Mais ça nous permet d'avoir quand même un affichage qui soit dématérialisé. Effectivement, c'est beaucoup plus simple aussi à gérer pour nos agents. Avant peut-être que tu nous montres et tu nous fasses un partage d'écran pour peut-être nous montrer comment on peut travailler un peu plus efficacement sur les flux entrants et sortants de courrier. Moi, j'avais deux questions. Pour toi, sur le cloud, pendant longtemps, même les règles comptables ont désincité les collectivités à passer en cloud. Ensuite, il y avait tout ce qu'on nous disait sur il faut que les données soient hébergées en France. Attention, vous avez des données d'état civil, vous avez des données de cimetière, vous avez des données financières, vous avez des données sensibles. Bon, à relativiser parce qu'on reste quand même à l'échelle d'une commune, mais des données personnelles, ça c'est certain. Donc, pour la protection des données personnelles, il faut absolument héberger en France. Et là, on a le balancier inverse, tout le monde est en train de se demander, après l'incendie d'OVH, est-ce que le cloud est la solution? Est-ce que l'hébergement en France est vraiment indispensable? Et est-ce que c'est encore quelque chose de fiable et de souhaitable pour les collectivités? C'est quoi ton sentiment, toi, par rapport à ça, aux données locales et au cloud? Ouais. Alors en fait, il y a deux sous-sujets dans ce sujet. Le premier, c'est le RGPD. Le RGPD, en fait, faut pas oublier que c'est une réglementation européenne. Globalement, Google respecte le RGPD et le RGPD dit tout ce que vous collectez, vous l'utilisez uniquement dans le but de répondre à la demande initiale. Exemple, je veux un rendez-vous chez le médecin. Bon, bah, on collecte mon information uniquement pour me rappeler que j'ai un rendez-vous chez le médecin et pas pour la vendre ailleurs. Donc, en vérité, toutes les solutions aujourd'hui de cloud, elles sont RGPD. Bonne partie, elles sont RGPD. Donc, toute la question qui est en fait sur respect à RGPD, c'est un peu un faux problème parce que si on voulait juste se régler sur cette idée d'RGPD, en fait, la plupart des solutions, elles respectent assez bien les sujets. Derrière, le cloud, ça amène donc cette deuxième question, celle du stockage. Effectivement, comme tu l'as dit, pendant longtemps, on va dire jusqu'aux années 90, début 2000, on stockait tout physiquement sur les serveurs. Il fallait qu'on ait tout chez nous aussi parce qu'il n'existait pas forcément de cloud en tant que tel. C'était assez peu développé. Ensuite, on a commencé à avoir toute une réflexion autour de, en fait, il vaut mieux le mettre sous cloud parce que c'est plus intéressant, ça coûte moins cher, etc. Et il y a tout récemment ce sujet de la sécurité des clouds parce que, comme tu dis, il y a eu un incendie important à Strasbourg et tous les gens qui étaient sur OVH bah, se sont retrouvés avec des pertes de données, etc. Moi, mon sentiment là-dessus, c'est que, un, il faut plus avoir de serveurs locaux ou le moins possible. Ça coûte cher à entretenir, il faut maintenir le matériel,
et vous êtes aussi en proie au risque. Je pense que tu pourras me confirmer, il y a eu à Chalon-sur-Saône une grosse attaque informatique. Ça a été extrêmement violent et ils ont perdu un tas de données, tous les postes ont été bloqués, etc. Et en fait, tout ce qu'ils avaient en local, paf, bloqué. Ce qui aurait peut-être pas été le cas s'ils avaient eu du cloud. Derrière, il y a une question de coût. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le stockage, en fait, coûte pas cher. Vous avez beaucoup d'éditeurs qui vont vous dire ça coûte très cher de stocker, donc dès qu'on passe le 1 giga, etc. C'est faux. Aujourd'hui, le stockage coûte très peu cher. C'est-à-dire que stocker 20, 30 gigas de données, ça coûte quasiment rien. Alors après, ils vous font payer la solution d'hébergement, les features qu'ils développent, mais le coût aujourd'hui, je dirais que c'est un peu comme les taux d'intérêt qui baissent. Le coût de stockage augmente pas, voire baisse, et le coût du gigaoctet est vraiment bas. Donc si on raisonne purement économiquement parlant, on peut se dire que c'est plus intéressant d'aller sur du cloud. Et après, le dernier truc, c'est effectivement la sécurité. En gros, est-ce qu'il est plus sécurisé d'avoir un système, par exemple chez OVH, Google, etc., ou dans ma mairie, où on entend peu de cas de mairie qui brûle avec des serveurs locaux qui brûlent. Mais en vérité, le cas d'OVH est quand même assez rare. Pour moi, c'est assez rare. On peut aussi avoir une mise en place de sauvegarde. C'est-à-dire, on pourrait dire, en fait, c'est sur d'autres sauvegardes locales. Nous, aujourd'hui, nos serveurs sont chez Google. Bon, je suis plus confiant aujourd'hui en la capacité de Google de protéger nos données en termes de purement stockage qu'en la capacité d'une collectivité ou même d'une entreprise à stocker. Donc, moi, là-dessus, est assez tranché. C'est-à-dire, allez sur le cloud, vous posez pas trop de questions. D'ailleurs, je pense que les gens se posent plus beaucoup de questions et l'incident de VH, il faut plutôt le voir comme un incident industriel, comme il en arrive. Mais c'est pas parce qu'il y a une usine qui explose que toutes les usines vont exploser. Voilà, je pense que puis OVH a peut-être aussi pas su anticiper des problématiques parce que c'est une boîte peut-être qui a aussi, comme n'importe quelle boîte, besoin de continuer à apprendre. Voilà, si c'est OVH, tant pis pour vous, effectivement, pour ce qui s'est passé, mais je pense que ça se reproduira pas de sitôt. Et il faut être assez confiant dans ces solutions-là, qui sont des solutions quand même assez techniquement fiables. Effectivement, oui. Il y a eu une grosse attaque en Saône-et-Loire sur Chalon-sur-Saône. Il y a des mairies qui sont ciblées par des pirates informatiques. Et c'est vrai que nos DSI, pour les communes qui en ont, hein, parce que c'est avoir une équipe informatique, c'est pas toujours le cas. Nous, c'était au niveau de la communauté de communes. Je vais faire revenir ça à la commune parce que c'est trop stratégique et on le voit, pas les mêmes enjeux au niveau d'une commune de 14 000 habitants qu'au niveau de village de 300 habitants en termes informatiques. Donc, et que c'est illusoire et il n'y a peut-être pas forcément d'économie d'échelle, voire des déséconomies d'échelle à vouloir structurer des réseaux au niveau de l'intercommunalité. On peut faire des groupements de commandes, des groupements d'achat de logiciels, c'est toujours intéressant, je pense, de se grouper pour acheter des softwares, mais quand on veut avoir une vision de la transformation numérique, je pense que c'est important d'avoir une équipe agile et efficace. Après, il faut attirer aussi les profils, les DSI, hein. C'est dur dans le monde de l'entreprise d'attirer des bons développeurs, des bons ingénieurs. C'est encore plus difficile quand on est une collectivité, qu'on n'est pas à Paris, qu'on est un peu loin des centres de décision, puis surtout qu'on propose des salaires qui sont pas les mêmes que dans le privé. Donc, il y a toute une culture effectivement à redévelopper de sécurité informatique, et de protection des données sans forcément être sur des serveurs physiques. Il y a peut-être d'ailleurs certaines données à baquer sur des serveurs physiques, hein. Je pense par exemple aux données d'état civil ou de cimetière. Si on perd les données de stockage du cimetière, ça pose quand même un grand nombre de questions. Et c'est notre responsabilité de pouvoir garantir ça aux citoyens. J'avais encore deux questions sur le cloud, sur l'open data. Je vois qu'un certain nombre de maires sont quand même assez sensibles à ces questions de transparence, d'ouverture des données, d'ouverture du code, d'open source et d'open data. Alors l'open data, quand on fait des courriers de réponse aux administrés, c'est pas forcément souhaitable puisqu'on est dans l'interpersonnel. Mais l'open source des logiciels, des solutions, est-ce que c'est
passer dans les mœurs au niveau local. Moi, j'ai l'impression que les élus locaux et ceux qui s'intéressent sont plutôt des promoteurs de solutions ouvertes que des anciens gros et des GAFA. Alors là-dessus, d'abord l'open data, faut bien rappeler qu'on en parle beaucoup. Comme tu dis, c'est un peu le mot. Alors, je crois qu'il y a un délit maintenant d'éco-bashing qui a été voté récemment à l'Assemblée nationale. On pourrait un jour peut-être parler de délit d'open data. C'est-à-dire que les gens en parlent beaucoup en disant non, open data. D'abord, pour être open data, il faut avoir des data. C'est-à-dire que il y a plein de villes qui n'ont pas de data. C'est-à-dire, je sais pas si des villes de 10 000, 15 000 habitants ont beaucoup de data. La data, ça veut dire on va dire par exemple, tiens, on va pouvoir publier le nombre de permis qu'on a chaque année de construire. On va pouvoir expliquer combien on consomme d'énergie. On va pouvoir expliquer combien de kilomètres de route on fait, etc. Mais en fait, ce suivi déjà de data, il n'est pas forcément fait. Donc, c'est déjà compliqué. Par exemple, à Paris, c'est beaucoup moins le cas puisqu'on va avoir beaucoup d'open data pour les transports, combien on a de lignes de métro, les points d'éclairage, tous ces sujets-là, pour que les gens puissent commencer à s'amuser à faire des petits logiciels finalement avec cette donnée qui est gratuite. Mais dans beaucoup de communes, notamment celles dont on parlait, c'est-à-dire moins de 15 000 habitants, la data, elle n'est pas exploitable. Donc, derrière, en fait, pour l'instant, on ne va pas en faire beaucoup. Et sur l'open source, les gens aiment bien l'open source parce qu'effectivement, l'open source, pour rappeler ce que c'est l'idée qu'il y a des gens qui travaillent sur du code. Ils vont mettre ce code à disposition des autres pour que d'autres puissent le récupérer et donc pouvoir travailler sur ce code-là. Et donc, il y a pas mal de boîtes qui disent, on a un logiciel qui est open source. En vérité, même si c'est open source, c'est comme si je disais... le logiciel open source, je vais le récupérer, mais il faut le transformer après. Et en fait, si je vous donne de l'open source comme ça, à moins d'être un développeur expérimenté, vous en ferez absolument rien. Et donc, il faut quand même derrière toujours avoir en tête que quand un logiciel est open source, si vous n'avez pas des développeurs pour le récupérer, vous en ferez rien. Donc, l'open source, vous allez devoir embaucher des développeurs qui vont le prendre, qui vont prendre le code pour le mettre en forme. Donc, ça demande quand même des compétences déjà importantes pour pouvoir utiliser l'open source. Donc, oui à l'open source parce que c'est souvent moins cher que le reste. Mais faut pas oublier que tous ceux qui font de l'open source disent quand même derrière, c'est de l'open source, mais bon, nous, on sait l'exécuter. Si vous voulez, vous pouvez le prendre. Avant que les gens puissent vraiment s'en emparer, il y a quand même un peu de travail. Et donc, nous, on a fait le choix dans notre boîte, par exemple, de pas être en open source du tout. Notre code nous appartient, il est fermé. Parce que, on sait très bien, en fait, que c'est un peu un faux argument de vente. Parce qu'il y a très, très peu de gens qui pourront l'utiliser en tant que tel. Les seuls qui pourraient l'utiliser, en fait, c'est surtout des concurrents qui pourraient récupérer nos blocs informatiques. Faut pas oublier que derrière une fonctionnalité, si on prend par exemple cette page-là, derrière ce petit bouton-là en bas, cette miniature, il y a peut-être un mois de code. Et un mois de code, c'est de la propriété intellectuelle. Et je considère que c'est un travail aussi qui a été réalisé par des développeurs. Et que avant de le mettre en open source, faut bien réfléchir à ce qu'on a envie de faire de son travail. Quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous présenter ta solution Je vais partager mon écran. Voilà. En partage d'écran, normalement, tu peux faire un partage d'écran et les spectateurs dans le monde virtuel voient toujours un petit, voient toujours un peu notre tête en vidéo et ils voient l'écran partagé. Est-ce que vous voyez l'écran là ou pas? Alors, moi, je le vois pas en backstage. Mais il est possible que ce soit partagé dans le monde virtuel. Je vais juste regarder. Ah, voilà. Ouais, je crois qu'on est sur le côté. Ouais, c'est bon, je pense. Je pense que c'est bon. Voilà, on est, nous, en petit à gauche. Et voilà. L'écran est très grand. Hein, c'est un format 4:3 dans le monde virtuel. Donc, on verra les détails. En gros, pour expliquer, l'idée, c'est on arrête, en fait, les flux. Différenciés, etc. Et on a un tableau général dans lequel on a des cases et chaque case correspond à un appel ou un courrier ou un email. Et donc, en fait, on bascule d'une logique de flux différencié à un CRM, en fait, à un CRM de la collectivité dans lequel vont avancer les différents courriers avec à chaque fois un process qui va être défini par la collectivité en question. Et toute l'idée, c'est de pouvoir tout faire au même endroit. Et si je vous prends un exemple concret, on va par exemple se mettre sur un courrier. Alors, parce que c'est que ce courrier d'ailleurs. Voilà, bon, c'est un courrier, c'est un email qui est transformé automatiquement. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire sur mon outil, c'est que je vais pouvoir évidemment avoir toute une série d'informations sur qui a le droit de le voir, comment, etc., quel est son statut. Mais surtout, je vais pouvoir venir écrire ma réponse directement dans mon outil. Par exemple, je vais dire, OK, pour moi, le maire
Vincent Chauvet. D'accord? On va le mettre, voilà. Et derrière, une fois que je vais être d'accord sur mon brouillon, exactement comme un Google Doc pour ceux qui utilisent Google Doc, je vais pouvoir aller générer un PDF de réponse en récupérant un modèle préétabli. Ça va le mettre en forme directement dans l'outil, avec à chaque fois, du coup, les bons logos de la collectivité en question, ou si c'est un parlementaire, du parlementaire. Donc, je vais avoir toute une logique, du coup, de mise en forme. Je vais pouvoir signer directement en récupérant mes signatures électroniques dans l'outil. Je vais pouvoir le signer et derrière, je vais pouvoir, en fait, l'envoyer directement aussi à l'administré, en cliquant sur envoyer, et ça m'envoie du coup directement à l'administré le courrier. Ce qui fait que, en quelques clics, j'ai généré ma réponse, mis en forme, signé et envoyé directement à l'administré, avant évidemment d'archiver mon courrier, tout simplement ici, en le faisant basculer du coup dans mes archives. Et tout l'intérêt d'avoir des solutions de SaaS, c'est en fait de pouvoir récupérer l'ensemble de vos courriers en un clic, peu importe où elles sont situées. Si par exemple, j'ai envie de retrouver un mariage de quelqu'un, bah, j'ai finalement ma barre de recherche en haut, je tape mariage, et tous les sujets de mariage vont ressortir, et je vais pouvoir aller travailler sur, par exemple, une archive de mariage qui date du 29 juin. Voilà. Donc ça, c'est vraiment cette idée de pouvoir tout rechercher en un clic, très simplement, de pouvoir aussi avoir tout un onglet de configuration pour pouvoir soi-même configurer son outil, donc les statuts, les services, les utilisateurs, etc. Et puis, ça, c'est le petit truc que j'aime beaucoup, pouvoir monitorer et piloter. Parce qu'on sait que dans les collectivités, on a souvent du mal à savoir quelle est notre performance. Et donc, on va pouvoir se dire, bon, bah voilà, sur les 6 derniers mois, j'ai créé 143 courriers. En moyenne, on répond en tant de jours. Et puis, savoir où est-ce que ça bloque, statut par statut, pour voir comment on peut améliorer. Vous êtes vraiment dans une logique d'amélioration continue de l'outil, sans être dans le flicage, mais de pouvoir aussi dire, ben voilà, comment ça avance. Et donc, pour les agents qui vont arriver dessus, ils vont vraiment retrouver tous les codes assez classiques qu'on va retrouver sur LinkedIn, Facebook, puisque on a mis en place une notification assez simple et puis un système de chat ici sur chaque courrier pour vraiment que les gens puissent venir discuter de chacun des courriers et puis éventuellement donner leur avis sur chaque courrier. Voilà en gros comment ça fonctionne. C'est du 100% web, donc ça ne demande aucune installation. Il faut juste se connecter. On n'a pas besoin d'avoir forcément une bonne connexion. Tu disais Vincent tout à l'heure, c'est vrai que parfois dans les communes, on n'a pas forcément la fibre. Bah, nous, on s'est amusé à tester notre outil sur... Des connexions 3G et 4G en modulant ça, puisque ça peut se faire aujourd'hui sur Google. Vous pouvez dire, bah tiens, faisons comme si j'étais dans la campagne avec 3G, et donc ça fonctionne partout, ce qui fait qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une connexion ultra puissante pour pouvoir avoir accès à des logiciels web. Voilà en gros ce que je voulais vous montrer rapidement. Ça, c'est vrai que c'est important parce que je suis moi-même régulièrement en train d'avoir des difficultés avec la connexion, notamment aussi un centre de protection, de firewall dans tous les sens qui nous permettent pas. Quand on voit notamment avec l'administration de l'État, je sais pas si ça te fait la même chose dans Lyon, mais parfois on envoie des liens WeTransfer ou des liens Zoom ou autres aux agents de l'État, que ce soit la DDT, de la DREAL ou de la préfecture ou de la sous-préfecture, et ils peuvent pas l'ouvrir parce que c'est trop sécurisé et que finalement il y a un certain nombre de solutions qui sont bloquées, ou alors ils peuvent pas l'ouvrir parce que les messageries sont bloquées, les pièces jointes ne peuvent pas dépasser 20 mégas et au final c'est impossible de transférer une présentation PowerPoint. Donc c'est vrai qu'il y a encore énormément d'enjeux de taille et de données, de flux qui sont pas à négliger quand on travaille avec des clients qui sont encore parfois sur des fils de cuivre ADSL assez loin du central et où parfois bon, ça change quand même assez vite hein, mais où le routeur 4G va beaucoup plus vite que la connexion à internet filée. Est-ce que je me tourne vers Elsa que je salue et Dani, est-ce qu'on a des questions sur Slido? Donc je rappelle le code, c'est 700 497 700 497. Alors on nous met en tout petit, voilà. On peut aussi flasher le QR code, ça marche, je l'ai essayé tout à l'heure, c'est assez marrant. Avec son téléphone dans le monde, on peut, son téléphone physique, flasher le code
qui apparaît et ça marche aussi et ça renvoie vers le téléphone, vers Slido qui permet d'aller vers le questionnaire et d'être connecté sur son PC ou son Mac et vers son iPhone ou son Android de pouvoir se connecter. D'ailleurs, c'était une question que j'avais notée, notamment par rapport au nomadisme et au télétravail des agents. Comment vous avez développé votre solution sur mobile, iOS et ou Android? Est-ce qu'aujourd'hui, télétravail dans la fonction publique, ça veut dire travail sur smartphone ou pas encore? J'ai une question subsidiaire moi, qui m'interroge à titre personnel et j'espère que ça va interpeller aussi les participants de Startup Safari. C'est que on a beaucoup parlé à un moment des phablettes, des téléphones qui faisaient tablettes. Ça n'avait pas trop marché, c'était très cher, c'était encombrant. Moi, je suis très partisan et je suis de très près les folds, les smartphones pliables, où en fait, on a, ça ressemble à peu près à ça, parce que là, j'ai une batterie, une coque qui fait batterie externe, mais on est à peu près dans cette dimension-là de téléphone. Hein, et en fait, on peut les ouvrir et on a une tablette ou bien notamment, là, il y a trois constructeurs qui s'y sont mis, Samsung et deux constructeurs chinois. On peut avoir finalement un écran qui se met à 90 degrés et là, on a un mini PC. Pour moi, c'est un peu l'avenir. Je compte m'y convertir en tout cas prochainement. C'est un peu l'avenir du lien entre smartphone puissant et avec grand écran et finalement laptop ultra ultra léger. Et donc pour revenir au parapheur, à la solution le parapheur que tu développes pour les collectivités, comment aujourd'hui le travail se développe dans la fonction publique locale et comment tu vois ça, le développement mobile? Et après, on a une question qui a été posée sur le slide. Oui, alors effectivement, c'est une bonne... une fois de plus, Vincent, tu poses de très bonnes questions, mais je ne m'en doutais pas. Aujourd'hui, en fait, on sait exactement combien de pourcentage de nos utilisateurs utilisent du mobile. C'est extrêmement faible. Les seuls qui utilisent, souvent, c'est les maires. Les maires, parce qu'ils sont sur le terrain, ils sont toujours en train de courir partout, ils n'ont pas trop le temps, etc. Et donc, dans la fonction mobile, on va avoir des fonctions plus restreintes parce que l'objectif, c'est pas de pouvoir tout suivre. Là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Vincent, sur le futur. Moi, je crois beaucoup plus, en fait, au développement des ordinateurs portables dans les collectivités. Là, les gens pourraient avoir des ordinateurs plus légers, partir avec. Parce qu'en fait, l'usage du mobile est un usage, finalement, qui est un usage de l'instant, un peu du clic. C'est-à-dire, je valide des choses, j'avance, etc. Ce qui est le travail de décideur. Je prends un exemple, toi, en tant que maire, tu vas avoir effectivement oui, non, pourquoi pas, ok, machin. Mais pour la plupart des agents qui vont travailler sur d'édition de documents papier, qui vont travailler sur, on va dire, je sais pas moi, des arrêtés. En fait, c'est difficile de le faire sans avoir des bonnes solutions de courrier avec un grand écran, etc. Donc, je pense que le web va continuer de passer par de l'ordinateur. Il y aura aussi du mobile pour effectivement de la petite validation, rechercher de l'info, etc. Éventuellement pour les dirigeants de collectivités, des élus, etc. Mais je pense que les agents vont vraiment continuer. C'est aussi une demande de leur part d'avoir des bonnes conditions de travail, aussi avoir un grand écran, etc. De continuer d'aller là-dessus sur ces solutions-là. Le mobile, du coup, c'est assez amusant parce que nous, on était récemment dans une commune où on avait le maire qui nous a... Alors, une plus petite commune Cotin, hein, donc le maire suit plus les courriers Cotin. On se doute que le maire d'Autun ne va pas suivre les courriers, mais petite commune. Il nous disait, j'aimerais bien un outil. En fait, on s'est rendu compte qu'on n'a pas vocation à mettre sur mobile, sur les versions mobiles, j'entends. La même chose que sur les versions purement navigateur ordinateur. Donc tout l'enjeu du mobile, c'est pour moi en tout cas d'arrêter les applications. Aujourd'hui, tout le monde veut des applications. Il y a 4 ans, je te rappelle Vincent, tous nos copains lançaient des applications, qu'ils allaient rendre payantes. Ouais, j'ai fait une app, etc. En fait, on s'est rendu compte que c'est très dur de monétiser une application. Je connais très peu de boîtes à part Blablacar qui ont vraiment percé sur de l'application pure. Et du coup, souvent, maintenant, on va basculer sur ce qu'on appelle de la PWA. Progressive Web App. En fait, l'idée de la PWA, c'est que tu n'as pas besoin de télécharger sur iOS ou Android une application, mais tu vas avoir en fait une version, un raccourci sur ton ordinateur, enfin sur ton téléphone, qui va en fait du coup faire comme une application, mais qui passe par ton navigateur Safari ou Chrome, mais sur ton téléphone.
Et donc, ça évite en fait au codeur d'avoir besoin de faire un code pour le mobile iOS, un code pour le mobile Android. Et donc, c'est vraiment ce qui est en train de se développer. Et tu remarqueras d'ailleurs que tu as plein de grosses boîtes. Bon, je prends un exemple, qui s'appelle Mano Mano, qui est une boîte française qui fait 1,2 milliard ou 1,3 milliard de chiffre d'affaires par an, qui a 4 ou 5 ans. Ben, eux, ils n'ont pas du tout d'application mobile pour l'instant. Voilà, ils se sont dit, et quand les gens vont sur leur mobile, il faut avoir un mobile optimisé pour qu'ils puissent commander. On n'a pas besoin forcément du coup d'avoir vraiment d'outils là-dessus. Et tu vois pas de convergence entre mobile et laptop? Tu penses pas que les télétravailleurs pourront être sur des solutions un peu hybrides, en sachant qu'aujourd'hui, dans la fonction publique, pour télétravailler, il faut fournir aux agents l'ordinateur portable et que un des points au protocole de télétravail qu'on essaie de mettre dans la fonction publique, c'est que les agents ne sont pas forcément équipés ou s'ils sont équipés chez eux, ils n'ont pas forcément envie d'utiliser leur ordinateur personnel. Et ils demandent, qui parfois utilisé par l'enfant pour jouer ou pour suivre ses cours, et en ce moment, c'est un peu le problème du multi-usage des appareils électroniques, c'est que s'il y en a un qui doit télétravailler, l'autre qui doit suivre ses cours, le dernier qui a envie de jouer aux jeux vidéo, bah il faut trois ordi quoi, et parfois dans une maison il y en a un ou deux quoi. Ouais. Donc c'est vrai. Alors ça c'est moi je salue vraiment, alors quand je dis je salue ça fait très politique là, mais c'est mon côté chemin qu'est-ce que j'ai lu, mais les agents qui pendant le confinement se sont débrouillés avec les moyens du bord. Parce que tu sais comme moi qu'en mars dernier, on a mis dans les collectivités tout le monde chez soi pour continuer de travailler. Et en fait, la plupart n'avaient pas d'ordinateur. Et du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris l'ordinateur personnel. Et ils ont fait avec, en fait. Comme tu dis, normalement, on est censé fournir à chaque agent un poste, mais on n'a pas pu le faire pour tout le monde. On a voulu en acheter tous, mais en fait, il n'y avait plus d'ordinateur portable puisque tout avait été acheté. Donc, il y a eu une pénurie d'ordinateurs portables pour les collectivités. Ça, c'est quand même pas anodin. Et ensuite, je pense vraiment que cette histoire du, tu sais, je parlais des tablettes, moi aussi je croyais à l'époque qu'on passerait tous sur des tablettes iPad. En fait, on s'est vite rendu compte que c'est compliqué de faire un courrier sur une tablette iPad, c'est compliqué de faire une visioconférence où tu as deux, trois fenêtres ouvertes sur un iPad, etc. Et moi, je crois pas pour l'instant qu'on ait cette convergence parce que je pense que techniquement, c'est encore trop fouillis et nous, on est jeunes, quand on a 30 ans, c'est facile, on est né là-dedans. Et pour des gens qui sont moins nés là-dedans, avant d'aller travailler sur mobile, je pense qu'il y a un peu de travail, mais peut-être que par contre, tu vas avoir des générations dans nos collectivités. Moi, je le vois avec des agents qui vont beaucoup plus effectivement utiliser leur mobile, écrire des textos plutôt que des emails, faire des visioconférences avec leur téléphone entre deux rendez-vous, pas forcément dans leur bureau, mais sur un site de la mairie, etc. Donc, c'est en train de se développer, mais la tendance est longue avant que ça puisse basculer. Mais là, une fois de plus, c'est une croyance personnelle et là-dessus, j'ai un avis qui est peut-être pas le vrai, mais c'est mon ressenti, quoi. Ok, merci. Je vois une question. Donc, je n'ai pas de question, mais l'outil proposé est très intuitif. À l'inverse des sites des collectivités, par exemple, bon, il y a un certain nombre de collectivités qui mettent à jour leur site. Malheureusement, souvent, le site de la collectivité, c'est un peu l'alpha et l'oméga de la politique numérique de l'Amérique. Voilà, si tu as un beau site et que il est responsive, c'est incroyable, et du coup on est une mairie connectée parce qu'on a un joli site web. Bon, aujourd'hui honnêtement, moi je regarde même assez peu le site web de la ville. Je regarde un peu ce qu'on fait sur Twitter, sur LinkedIn de plus en plus, parce que pour des professionnels, pour des investisseurs, éventuellement ça peut être intéressant. Pour le recrutement aussi, c'est une partie de notre boulot, et LinkedIn se démocratise et un certain nombre de cadres de catégorie B peuvent être sur LinkedIn, ou C d'ailleurs, enfin tout type d'agents publics. Essayer de créer aussi une communauté professionnelle sur LinkedIn avec une marque employeur, des gens qui ont des profils qui mettent en avant leurs compétences, qui se mettent dessus. Je regarde ce qu'on fait sur Twitter. Le site web de la mairie, il est probablement encore recherché, mais pas forcément. Peut-être justement pour ces solutions en open data, nous on met les délibérations du conseil municipal, les comptes rendus en format libre et ouvert, en théorie libre et ouvert, en fait souvent en PDF parce que c'est plus simple, mais sur le site, et ça sert surtout à ça de ressources plus que de et en fait, pour être tout moche, l'important c'est les informations qu'il y a dedans plutôt que
que d'avoir des choses extrêmement belles à l'œil, quoi. Les sites qu'on regarde, c'est des sites qui, notamment pour des établissements culturels, voilà, le site du musée, on fait un gros musée, le panoptique d'Autun, 28 millions d'investissements. Oui, il faut un site web qui soit joli et que le touriste qui vienne ou l'amoureux du patrimoine puisse y avoir une bonne expérience de visite, comme il aura, j'espère, une bonne expérience de visite du site réel. Donc, il y a deux autres questions. On n'arrive pas loin de la fin. Vous avez parlé d'économie de papier, à la fois économique et environnementale, mais fournir des appareils à chaque personne et le stockage sur les serveurs n'est-il pas une autre forme de pollution ? Oui, bonne question. Bonne question là-dessus, effectivement. Alors, d'abord, il faut savoir que ce qui aujourd'hui prend énormément de stockage, c'est un, tous les gens qui ne suppriment pas leurs emails, qui ne font pas le tri effectivement dans ce qu'ils ont sur le web, et les vidéos. Du coup, on peut aborder la question avec un angle de relativité, relativiste, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qu'on va stocker pour une collectivité comme Autun, le nombre de papiers qu'on va mettre en fait en dématérialisé, allez, admettons qu'il y ait quelques gigaoctets de papiers sur l'année. Bon, allez, 10-15 gigaoctets pour une collectivité. Finalement, c'est assez peu par rapport à ce qu'une personne va consommer individuellement quand il va regarder Netflix ou quand il va attacher des films ou quand il va laisser sur son cloud ou laisser ses photos, etc. Donc, c'est une bonne remarque. C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, quand on dématérialise, on crée de la donnée numérique, donc on la stocke quelque part. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on pourrait considérer aussi qu'on pollue. D'une façon intéressante, c'est que nous, on va évidemment travailler sur les serveurs. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous stockez que quand vous stockez, ça a toujours la même valeur en termes de stockage. Je prends un exemple, vous pouvez très bien stocker avec un accès très rapide. Dans ce cas-là, c'est des serveurs très puissants qui vont consommer énormément. Ou alors, vous pouvez dire qu'au fur et à mesure, ce qui finalement est moins urgent, on va le stocker dans des espèces de sous-chambres, sous-sous-chambres, où il sera accessible moins rapidement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir en une milliseconde, vous allez l'avoir en deux secondes ou une seconde. Et du coup, ça va consommer moins sur les serveurs locaux, puisque quand on va aller le chercher, ça va consommer un peu moins d'énergie pour aller chercher. Donc, il y a tout un enjeu aussi d'optimiser. Après, il y a toute cette question de, est-ce qu'en fait, il ne faudrait pas aussi des collectivités qui dématérialisent et une politique de compensation, un peu comme la taxe carbone. Et je pense que c'est un sujet qui arrivera. Il sera intéressant, voire peut-être que ce sera aux entreprises comme la mienne de proposer du coup une compensation, c'est-à-dire finalement, on enlève du papier, donc on évite de tuer des arbres, on évite en tout cas de consommer de la matière minérale, organique, mais de l'autre côté, effectivement, on crée une forme de pollution, donc est-ce qu'on pourrait pas finalement avoir un déficit dans ce cas-là, peut-être de dire on peut planter ou valoriser tes initiatives. Voilà. Mais c'est une bonne remarque, mais je pense que c'est assez relatif par rapport aux grosses consommations qu'on peut avoir ailleurs. Et je pense, pour compléter ce que tu dis, que je partage entièrement, que le fait de stocker de manière dématérialisée n'exonère pas d'avoir une politique d'archivage comme on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on stocke du papier dans des archives municipales, et puis on désherbe. Il y a du papier qui passe au broyage, et tout ce qui est produit n'est pas forcément conservé. Une partie est conservée, mais le reste part à la poubelle. Sur les données numériques, il devra nécessairement y avoir la même politique, c'est-à-dire que des données sensibles ou des données importantes peuvent rester, ou historiquement importantes, et puis les échanges de courrier avec Madame Michu parce que il y a des pigeons sur son balcon, peut-être que 15 ans après, on peut peut-être les effacer définitivement. Ou alors garder simplement l'intitulé du courrier ou simplement archiver le fait qu'en 2021, il y a eu 15 demandes pour des pigeons qui ont envahi la ville. Donc, il y a aussi une politique d'archivage à trouver pour pas saturer les espaces, une politique de responsabilité aussi. On a fait passer à la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan une charte d'utilisation des services informatiques. On peut pas stocker n'importe quoi, n'importe comment sur les serveurs communs. On peut pas aussi sur son mail faire un certain nombre de stockage indu de pièces jointes ou autres. Bon, les entreprises connaissent ça très bien, ça va arriver dans les collectivités. Mais effectivement, pour réduire l'empreinte numérique et l'empreinte carbone, ne serait-ce d'un point de vue écologique, mais simplement d'un point de vue de capacité, il y a une réflexion clairement à avoir sur l'impact. Après, moi, je reste quand même persuadé que on parle beaucoup du coût carbone global,
du numérique. Aujourd'hui, moi, je le vois dans les communes, notamment quand vous êtes une ville-centre avec des gens qui peuvent habiter à 10 ou 15 kilomètres et qui viennent nécessairement en voiture individuelle thermique aujourd'hui au travail. J'espère que ça pourra changer, qu'on aura des transports propres et décarbonés, mais aujourd'hui, 99,9%, il y en a peut-être, on est en centre-ville, donc je pense qu'il y a des gens qui viennent à pied, il y en a quelques-uns, mais 90% des agents de la mairie viennent en voiture thermique individuelle au travail. Quand on fait du télétravail, un jour de télétravail, ça économise 10 à 15 kilomètres de trajet et le coût carbone à mesurer d'ailleurs, ce serait intéressant. Je sais que je salue d'ailleurs des amis comme Laurent Barbezieux qui travaillent sur ces sujets, mais le coût carbone à mon avis est quand même globalement plutôt bon. Et on va conclure là-dessus, je crois. Les dernières questions, réponses. Merci pour la réponse. La digitalisation des territorialités ou des territoires me semble un enjeu important et inévitable, mais j'espère que cette évolution prendra en compte les enjeux environnementaux. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire, je crois. Dany, que l'on salue, qui nous fait la régie de ce stage, nous dit qu'il reste 3 minutes sur Slido. Alors, vous pouvez encore poser une ou deux questions au 700-497. Et puis, l'occasion pour moi de te remercier de ta participation. Première participation à ce premier Startup Safari virtuel pour le Parafeur, www.le-6parafeur.fr. Paul-Antoine de Carville, un excellent élu local dans la belle ville de Sens et incubé par le non moins excellent incubateur de Sciences Po Paris, j'espère, parce que les incubateurs font partie en général des points d'intérêt de Startup Safari. Il y a 2 ans, on a fait l'incubateur d'HEC à Paris, qui est un endroit un peu improbable, mais voilà. On a fait des incubateurs d'écoles de commerce moins connues aussi. On fait aussi quelques espaces de coworking. On est souvent extrêmement démarché par les espaces de coworking qui veulent qu'on vienne, qu'on leur envoie des clients et on temporise, on essaie de sélectionner ceux qui sont les plus marquants. Mais en tout cas, je pense que Sciences Po, notamment par rapport à ces projets de développement immobilier et Startup Safari Paris, c'est aussi la découverte de Paris par un autre œil, fera partie des points d'intérêt. De même que Startup Safari Berlin ou Budapest, ça permet de découvrir Berlin et Budapest. Et j'invite ceux qui nous regardent à également se pencher sur les autres éditions. Startup Safari Budapest, c'était comme nous en virtuel, avec un autre mode aussi, un autre mode de fonctionnement. J'espère qu'on va pouvoir reprendre assez vite. En tout cas, c'était vraiment un plaisir d'avoir le Parafeur et puis aussi d'être un bêta-testeur parce que joignant le geste à la parole, on est en train et j'espère que on est en discussion aussi avec un certain nombre d'autres solutions. J'ai cité Yellow pour l'affichage réglementaire. Il y a pas mal d'autres startups avec lesquelles on travaille. Donc, si vous êtes une startup que vous travaillez dans les collectivités, n'hésitez pas à contacter Paul-Antoine ou moi-même. Je pense qu'on est des élus assez réceptifs et on peut mettre en place dans nos collectivités qui sont un peu symboliques ou représentatives des villes petites et moyennes de France, un certain nombre d'initiatives innovantes. Voilà, je termine par la pile. Je te remercie. Je te laisse le mot de la fin. Merci Vincent pour cette invitation, cet échange, et puis en tout cas le sujet est loin d'être clos, de la numérisation, donc je serais ravi de discuter avec ceux qui le souhaiteront de tout ça. Évidemment, si c'est des potentiels clients, je serais encore plus content. Voilà. Merci et bonne à bientôt, Vincent. À tout à l'heure pour la suite de Startup Safari.